Des milliers d'Anglais venaient à Lens pour voir Arsenal gagner. Comfortable for us, I think 3-0. C'était sans compter sur la ténacité des Saint-Eor. Dans un bollard à guichet fermé, pour la 30e fois consécutive, le Racing s'est imposé face à Arsenal mardi lors de son deuxième match de Ligue des Champions. D'abord, Gabriel Jesus trompait Samba à la 14e minute, mais Adrien Thomasson répondait vite d'une demi-volée superbe à la 25e. La possession allait aux Gunners, mais il a fallu attendre la 69e. Une accélération de Frankowski conclut du pied par Wahi pour remporter une rencontre peut-être décisive pour le classement dans la poule. Victoire 2-1, Lens est premier. Bollaert en ébullition s'est rappelé de bons souvenirs, alors que Séville et Eindhoven n'ont pas su se départager ce soir-là. Un moment incroyable, avec la victoire en prime, c'est magnifique, premier du classement. Faut continuer comme ça, faut continuer sur cette lancée en championnat. Le déclic, les deux derniers matchs. Là, c'est la continuité, là, c'est formidable, là, c'est top. Oui, on avait essayé de mettre la manière aussi contre Séville, parce que sinon... Mais évidemment, c'est un ton au-dessus, parce qu'Arsenal est un très grand d'Europe et avec beaucoup de qualité dans son jeu offensif. Donc il fallait être à la hauteur, d'abord sur les aspects défensifs, parfois et le plus possible, la volonté de récupérer ou de poser des problèmes sur leur première sortie. Évidemment, de savoir défendre aussi avec un bloc plus bas, parce qu'ils font beaucoup reculer les équipes. C'est l'équipe en Europe qui fait le plus reculer ses adversaires. Et puis il fallait aussi utiliser le ballon le plus intelligemment possible. Donc c'est pour ça que je parlais de fierté des joueurs, parce que ce qu'ils ont fait, c'est très très fort. Pour battre cette équipe, il fallait faire un grand match. Et je pense qu'on a fait un grand match. Donc voilà, ce soir, c'est surtout la fierté qui ressort, parce qu'on sait d'où on vient. On a connu des moments un peu plus compliqués en début de saison, mais voilà, on s'est accroché, on s'est parlé, on est resté nous-mêmes. Et pour faire ce genre de performance, voilà, il faut les avoir bien accrochés. Je pense que ce soir, on les avait. Les redoutables Lensois joueront à domicile leur derby dimanche à 17h, avant de retrouver la Ligue des Champions le 24 octobre pour leur troisième match face au PSV Eindhoven.